ça là, ça il faut pas le faire. Parce que là, qu'est-ce que je fais? Si je fais des plays ici, comme je vais le faire, là et là, si déjà je choisis le droit de l'année dernière ici, je me retrouve déjà coincé entre deux plays. Et en plus de ça, ce qui se passe, c'est que ici j'ai des yeux de la couronne et des yeux de la couronne ici. Et là, j'ai éduqué mon pampre, j'ai dû éduquer mon cep à pamprer à la base. Pour tout le reste de sa vie. C'est une espèce d'éducation à pamprer en bas. C'est dommage d'avoir fait ça. Donc là, allez pas moi, j'en ai enlevé ces deux. Ah ouais, il aurait fallu en enlever deux. Même trois. Mais ceux que vous voulez, mais il aurait fallu en enlever deux. Possibilité d'affranchissement parce que c'est quand même pas loin. Mais là, il n'y a pas de bois de l'année dernière. Hein. On l'avait ramené à zéro. Ben il y a un petit cote. Ouais. Mais si tu peux le ramener à zéro. Hein. D'ailleurs, Michel Duclos a aussi un bon conseil dans cet axe-là. Au début, j'y croyais pas trop, mais il dit sur les jeunes plantes, lui, il enlève le courson. Il reçoit les plantes de pépinière, il les met, paf, il enlève le courson. Ça fait peur, hein, parce que tu as l'impression que tu n'as plus rien. Mais là, en fait, tu as les yeux de la couronne de l'année dernière, puisqu'il y a déjà un an. Et donc, du coup, tu as tous les yeux de la couronne qui sortent. Et là, tu vas pouvoir choisir. Et c'est seulement à cet endroit-là, à ce moment-là, que tu peux faire. Tu choisis le plus droit, le plus beau ou le plus orienté dans l'axe du rang. Et là, c'est gagné. Et tu as tous tes pieds qui montent droit sur la greffe. Ça fait bizarre un peu. Au début, les pépiniéristes, ils l'ont traité de fou quand il a fait ça. Il dit « Ah non, si tu fais ça, moi, je garantis rien. » Mais en fait, il a raison. En fait, il avait raison parce que ça nous permet de partir sans faire de plaie et de partir bien droit, bien vertical. Et si tu es pampre tôt, parce qu'il faut commencer par épamprer toutes celles-là, si tu es pampre tôt, tu ne fais pas Dieu de la couronne. Tu ne construis pas Dieu de la couronne. Et donc, du coup, tu te retrouves avec un cep qui ne va pas pamprer en bas. Et tu vas avoir un seul sarment qui va pousser et qui va bien pousser, bien droit, bien comme il faut. Donc, c'est intéressant de faire ça. C'est peut-être très intéressant. Alors là, ce qu'il ne faut pas s'amuser à faire, c'est à prendre celui du milieu, à garder celui du milieu. Parce que si je fais ça, j'ai déjà une plaie d'un côté, une plaie de l'autre. Au niveau circulation de sève, c'est pas génial. Donc je vais en prendre un sur le côté, soit celui-là, qui me paraît pas mal, soit celui-là. Donc je vais prendre celui-là parce qu'il me semble pas mal. Donc là, attention, pas de plaie de taille rase, toujours. Je ne vais pas raser, je ne vais pas essayer de me démerder pour ne pas avoir de pampre en bas. Si je fais ça, il est foutu mon cep. D'accord ? Donc j'enlève mes deux bois. Et c'est là que je vais pouvoir commencer mon travail de formation comme je l'aurais fait l'année dernière sur les autres. J'enlève mes entrecœurs qui sont au-dessus. Je nettoie mon cep, mon sarment, pour pouvoir bien travailler proprement. Bon, je ne vais pas avoir besoin d'aller bien bien plus loin. Et là, je vais regarder, est-ce que mes yeux sont dans l'axe du rang? Eh bien, je suis pas trop mal. Maintenant, c'est le moment de regarder à quel endroit vous voulez former votre cep. Donc pour moi, c'est ou là, ou là. Il n'y a pas le choix. Hein, ou là, ou là. Est-ce que trois yeux, ça suffit? Pour moi, il va pouvoir en amener beaucoup plus, parce qu'il en a déjà amené trois. Il va en amener au moins six l'année prochaine. Donc là, je sais que je ne veux pas ceux-là, c'est sûr, je les enlève à la main. Je veux pas celui-là, je veux pas celui-là. Ces trois-là, pourquoi pas? Celui-là, je sais que je le prendrai pas. Et je veux surtout pas qu'un des trois ici ne démarre pas parce qu'il y a trop d'acrotonie. Donc celui-là, je le vire. Je le vire. Et donc du coup, je me retrouve à faire le reste de ma fructification. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, j'en ai trop. Je garde ceux du dessus. Là, il n'y en a pas. Il y en a un là par exemple. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et là, si j'ai quelque chose d'un peu droit, c'est pas mal. Je peux, si j'enroule bien ma baguette, faire attention pas non plus à abîmer tout le bazar, et je peux orienter un peu mon bras et puis là l'attacher peut-être, pourquoi pas. Ouais. Ça, c'est bien. Si ça, c'était comme ça, on pourrait vraiment jouer. Ouais. Reste un bourgeon ? Celui-là coupé. Ah oui. Bien, bien, bien. Je pense qu'on a vu pas mal de choses là.